Ce groupe AIM Trio, c'est comme ça que ça se prononce, on s'est formé il y a quasiment 5 ans maintenant. On joue une musique improvisée et nourrie d'influences du monde entier, ça va du Maghreb à l'Europe de l'Est, autant que les Balkans, la Bulgarie, la Roumanie. Créer ce son, M Trio, essayer de trouver quelque chose de métissé, mais qui soit en même temps cohérent. Il y a une couleur qu'on voulait avoir en fait dans l'album et qu'on avait un petit peu dans l'ancien, et en fait qui était les chœurs, et c'est donc c'est très léger. Sur ce nouvel album, on est arrivé à un point où il y a toutes ces influences-là qui ont un sens vraiment dans nos arrangements, dans notre musique. C'est une photographie des rencontres et des voyages qu'on a faites avec le trio. Pas mal de collaborations, là sur ce disque-là, il n'y en aura que deux. Mohamed, qu'on retrouve du coup sur notre disque sur deux titres, joueur de oud égyptien, de renom et de talent. Et Marianne Badoy à l'accordéon, qu'on a rencontré très très récemment, c'est un coup de cœur en gros, on en a entendu parler, on a vu comme il jouait, on avait vraiment envie qu'il se fonde dans notre univers pour quelques morceaux sur le disque. Notre projet, c'est une musique en partie écrite, en partie improvisée. C'est le répertoire change de visage vraiment à chaque concert, à chaque session. Donc dans l'écriture, il y a un thème de fin, un thème de début, des petites péripéties. Et en fait, on a des zones où c'est donc d'improvisation, où là, on se laisse sa liberté, où quelqu'un prend la parole et part là où il veut en fait. On essaye d'avoir ensemble, c'est un son de groupe, délivrer une substance à trois, quelque chose qui n'existe pas quand on joue les uns seuls ou avec d'autres personnes. Notre projet vraiment, c'est de s'exporter un maximum au-delà des frontières. Si on arrivait à faire un tour du monde un jour avec le groupe, à jouer notre musique, ce qu'on a créé, qui vient de nos tripes, on sera vraiment au top.